Salut tout le monde et bienvenue dans Oh, ça ne l'épisode marche 6 de Pikmin. T'es qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Non, je sais pas, t'as commencé à dire un truc. Oui, je m'attendais pas à ce que tu lances aussitôt. J'étais en train de régler des paramètres. C'est pas grave, c'est pas grave. Salut! 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 Donc voilà, donc je suis encore avec Soda, donc on avait terminé la deuxième région, c'est ça. On avait débloqué la dernière région, mais on va pas y aller tout de suite parce qu'on a encore cette région à terminer. Incroyable! La Quel pire. tryhard! Et oui, La parce que pire. moi je veux le 100%. Incroyable ce tryhard. Tu as vu ça, le tryhard du joueur français. Ouais, c'est ici qu'on débloque les Pikmin Bluff. Alors, qu'est-ce que j'ai pas récupéré encore ici? Bah, ça fait longtemps que je suis pas retourné. Non, c'est vrai que j'ai changé les touches de mon émulateur. Laisse-moi tranquille. Alors. Ok, donc il y en a un ici. Ouais, je vois où c'est. Oh bon, on va aller faire ça maintenant. Alors il faut déjà... Bah, il faut tout en fait, hein. Oh, ça m'avait manqué le bruit des Pikmin qui hurlent quand ils descendent. Sont des murlocs. Il y en a un qui s'est cassé la figure. Qui s'est cassé. Il y en a un deuxième Mon aussi. Dieu. Deux jaunes, hein, comme par hasard. Ils sont Toujours de les plus mêmes. en Hein. plus. Nice. Ah, la centaine de Pikmin avec une égalité. C'est ça la Est-ce que tu crois véritable que ton parité. PC va supporter? Oui, ça va. Mec, il y a un mec, Et là, boum, black screen. il avait hacké le jeu pour avoir 1000 Pikmin sur le terrain. Je te dis pas le bordel, Ouf. son pauvre processeur, il était en PLS. Ah bah, son PC a pris feu en fait. Alors, ah oui, ah oui, il va falloir que j'extermine tous les monstres de feu là. Allez, Pikmin rouge, vous venez là. On évite de tomber dans l'eau. Hop, on va tomber Ils là. savent pas nager. Faut Ah leur non. mettre des brassards, mec. Ah, j'imagine bien le truc. Tu sais que dans Pikmin 3, il y a un moyen d'aller sur l'eau avec des Pikmin différents. Parce qu'il y a des trucs qui te permettent de balader avec. Putain, je me trompe de Qu'est-ce que c'est que touche. ça? C'est des taupes là-bas? Des tops qui crachent du feu, hein. Et qui ne vont pas sous terre. Ah! On va dire que C'est des taupes, mais pas trop. c'est pas leur plus gros problème qui crache du feu. Parce que comme je t'ai dit, hop, je prends les Pikmin rouges et c'est tranquille. Mais c'est le problème que tu vois, ils balancent les Pikmin. Autrement dit, s'ils sont à côté de l'eau, tu as beau utiliser les Ouf! Pikmin rouges, bah ça ne sert à rien. Il faudra juste les rappeler Mon avant qu'ils Dieu, les il les envoient. a balancés! What? On La s'en prochaine fout, on fois n'y a qu'il pas balance besoin des de... Pikmin, je veux que tu fasses un montage dans la vidéo de Pikmin qui fait un home run. Non, je l'ai déjà fait dans l'épisode 1, ça. Ou le 2, je sais Incroyable. plus. Ah bon? Ah oh, non. Terrible. J'avais fait le record du saut en longueur, j'avais fait un mix là-dessus. Ah, ok. Il a commencé à les balancer, mais ça a cancel. Par Ouf. perfection. Oh yes, reste tourné vers là-bas, reste tourné vers là-bas, c'est parfait. Non mais c'est pas croyable, les pauvres bêtes là peuvent pas se transformer. Oh ta vie! Oui, je viens de voir ça. Je vais y retourner au vaisseau vite Il va fait. décéder! T'imagines pas si bien dire. Il meurt dans le premier niveau, nul! Ok, vous avez commencé à péter le mur. De toute façon, il n'y a pas de monstre par ici, donc je suis tranquille. Je vais retourner au vaisseau me réparer. Et après, je prends les autres Pikmin. Pareil. Yep, réparer la combinaison. Oui, parce que ça sert à ça de parler au vaisseau, pas juste te faire chier quand tu passes devant et que t'appuies sur A sans faire exprès. Donc en parlant à quelqu'un, tu te soignes toi-même. C'est une santé mentale en fait. Non, en fait, je t'explique. On a rien vu. Je t'explique en On fait a rien vu simplement. peut-être. Il est en train de faire le point et du coup, il dit pendant que je fais le point, par contre, histoire dans le mauvais sens, j'en profite pour réparer ma combinaison. Oh, toute la vie, mec. Allez hop, personne se perd. Bonjour. Mais je t'ai rien demandé à toi. Le CPM. Le mec il s'est dit non là-bas je sais qu'il y a du feu, laisse-moi tranquille. Le graphique enregistre tout bien correctement, c'est bon. C'est bon. Il y a le son cette fois? Oui, il y a le son cette fois. Ah, incroyable. Bon, c'est un peu long, C'est triste. les murs noirs sont beaucoup plus résistants que les murs blancs.
Ah, c'est bien connu, hein, le métabolisme. C'est pas le même. Là, ce sont des petits crapauds. Regarde, là, il y a un magnifique... Des crapauds ? Bah, ouais, c'est des crapauds. Mon dieu ! C'est le filtre à dioxine. Il se fixe sur les tubes d'échappement du vaisseau et filtre tout ce qui sort de la navette. Ça m'évite donc de polluer l'atmosphère de cette planète. Je me sens rassuré. Sauf que jusqu'à maintenant, tu ne l'avais pas, donc... on a passé c'est plus le de la moitié. C'est le filtre à dioxine. C'est yes. Pour filtrer Dio. Tu pensais que c'était la pollution, mais non, c'était moi. Dio ! Dio ! Incroyable. Wow, oh, c'est lent. Ah ouais. Non. Ah bah, parfait. Ok, alors maintenant il va falloir passer par le feu. Ça marche. Par le feu. Parce que dans Pikmin 2, on peut péter ces geysers. C'est étroit si, ici, non ? Yep. Mais t'inquiète pas, ils peuvent pas tomber dans le vide, il y a une paroi. Alors. Ah, heureusement que le scénario est avec nous. Par le pouvoir du scénario. Parce que je suis un personnage principal de Shonen. Regarde, là, il y a une magnifique télé. Le geyser de flamme. C'est un... Oh. Comment ça s'appelle ? Attends, le Minitel, voilà, le Minitel. J'ai mon intelligence artificielle. C'est le nom pompeux que le fabricant a donné à cet ordinateur de bord, qui envoie vaguement des données sous forme de 0 et de 1. Franchement, je ne sais pas trop s'il sert à quelque chose. Oui, comme le compteur GGR qui te permet de compter la radioactivité. Bah, il faut bien une tête pour s'occuper, le pauvre, il est tout seul dans l'espace. J'avoue. Faut que lui aussi puisse... Quoi ? Oh, la Xbox ? Je vois non, pas quel... Non, mais c'est un jeu GameCube, hein. Ouais, pas faux. Et franchement, même pour un jeu GameCube, il est magnifique. Bon, on voit les pixels, mais ça passe en rien. C'est vrai, et non, franchement, il est très beau, hein. Olimar est pas du tout cubique et tout, franchement. Par contre, je viens de voir un truc, c'est que... Putain, bon, là, je viens de voir le mur. Je viens de voir que son... Oh, la caméra. Je viens de voir que son casque est pas du tout transparent. Tu vois, pourquoi on voit pas le sol derrière. Ah ouais. Non, mais va coder ça, mec, t'aurais 3 FPS, c'est bon. Ouais, j'avoue. Déjà, oh non, ça va en vrai. Là, ça va, j'ai environ 25 FPS, ça va, ça tourne à 30 FPS, c'est parfait. Bon, je vais pas du tout avoir assez de Pikmin rouge. Oh. Parce que du coup, pour passer par les geysers, il faut des Pikmin rouges, parce que sinon, c'est la galère. Parce que j'ai déjà essayé de passer sans Pikmin rouge en rappelant mes Pikmin à chaque fois qu'il y avait un geyser. Ouh. Oh, j'ai galéré. Voilà, j'ai fait des Pikmin bleus, hop. Allez, bolosser le geyser. Ah merde, attends. Oh non, c'est la débandade, ils se mélangent tous. Parfait. Ensuite, ah oui, c'est le. Bah voilà, c'est l'autre joyau que celui qu'on a récupéré la dernière fois. Ah oui, avec le pont. Oh, il en manque pile 1. Ok, on va faire ça. Incroyable. Allez hop, vous allez venir là. Hop, on vous sépare. Alors, les rouges, tu vois, ils ont une fâcheuse tendance à s'en foutre qu'il y ait de l'eau. Merde. 3, 4, 5. Ah. Le fail du joueur français. 2, 3. Le joyau. Alors, description. Alors. Eh, c'est ma balance. Eh, c'est moi, c'est mon signe, sa balance. C'est ma fille qui me l'a offerte. C'est son signe zodiacal. Je suis pas sûr qu'on dise comme ça. Ma chère petite fille, je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Oui, donc tu demandais quoi ? J'ai cru t'entendre commencer une phrase. Hein ? Non, j'ai dit zodiacal. Oui, donc toi aussi tu as été perturbé par ce nom. Oui. Oh mon dieu ! Il y en a un dernier, il est bien. Ouais, mais c'est un Pikmin rouge, il s'en fout. Ouais, mais. Oui, t'as vu, je suis allé un peu à la YOLO là pour le dernier, j'ai fait, oh, bon, c'est bon. Non, mais au pire.
faut faire des sacrifices. Combien? 20? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait la télé. Est-ce que j'ai fait un Pikmin rouge? 33. Si dites-moi que j'en ai. Non, il m'en manque un! C'est-à-dire qu'il y a un Pikmin qui va devoir risquer sa vie. Bon. Ce sera le héros, on l'appellera Bébert le survivant. Alors. On va mettre un Pikmin bleu. Parce qu'après tout, on s'en fout de s'ils meurent, eux. Parce que j'en ai beaucoup. C'est Bébert le survivant. Allez, on prie pour qu'ils aient le timing parfait. Allez, Bébert. Et le pire, c'est que c'est bien parti. Allez. Bébert le survivant. Ah, mais attends, il est trop à droite. Je crois Bébert, qu'il pourra pas se prendre les flammes dans tous les cas. Bébert le joueur moldave. Bébert. Regarde Bébert ça. Bébert qui est bien parti pour gagner là. Oh merde. Mais non. Oh mais non, mais c'est... Incroyable. C'est le record du monde pour Bébert. Et il a battu le record. J'espère juste que les autres sont incroyable. Pas passés par un endroit qu'il est, où il y a des monstres. Parce que là. Enfin, visiblement non. Mais attends, c'est incroyable ce qu'on est en train de voir là. Ah, mais tellement. J'ai eu la chance qu'il se place là en fait. En plus, il passe au bon timing. Je trouve que l'égalité marche aussi chez les plantes. Puisqu'il survit. Non ! Bébert ! T'inquiète pas, même s'il brûle, si on le rappelle à temps, c'est pas grave. Ok. Vite, Bébert. C'est Bébert le survivant, il faut qu'il survive. Bébert incroyable, Bébert survit. Il va encore brûler. Non Bébert, non. Hop, c'est le dernier geyser, on va le passer tranquille. Ok. Allez, le dernier effort pour le joueur français pour la victoire. Bébert sur les starting blocks. Et parfait. Il en manque un là. Incroyable, Bébert qui là-bas. Survit. De toute façon, je peux tout foutre parce qu'il n'y a plus de feu. Hop, allez, hop, allez, tous dessus. C'est parti. C'est la victoire pour Bébert, incroyable. Voilà. On s'en fout des cadavres des monstres, on a suffisamment de réserves. Bon bah du coup encore une fois, deux trésors en une journée, au moins, parce qu'il me reste encore un peu de temps, hein, je peux encore me balader et aller chercher le trésor là-bas, je irai voir. Je prendrai full Pikmin bleu, et déjà je tuerai les crapauds. Ah, attends, parce qu'ils passent par là où il y a du feu. Aïe. Toi tu me connais hein. Oh non, pas ça. Oh parfait. Oh, ils ont fait une feinte. Ils ont fait une feinte. Oh là là. La feinte. La fin de stratégie de survie de la part des joueurs moldaves. Je vais voir où ça en est l'autre là, il en est où? Ok, il y est presque, d'accord. Et pour le cas où t'es incroyable. Pas vu, il est juste là. Voilà. Ouais, j'ai vu. Incroyable. Quelle stratégie. Et oui, je suis un homme stratégique. Aucune perte aujourd'hui, pour l'instant. Pour l'instant. Bon allez hop, on va se grouiller. On va pas le sortir pour l'instant parce que du coup ça pousse les Pikmin à aller dans le feu si je le sors, donc c'est nul. Parce que du coup ça leur offre un nouveau chemin, mais du coup comme il est plus court ils vont essayer d'aller. Mais ça leur fait passer par les cracheurs de feu, donc c'est pas cool. Ouais, c'est un peu suicidaire quoi. Tintin. Alors je sais pas où est-ce qu'il s'est affiché. Ah si, en haut à gauche ou en haut à droite. Balance, un présent de ma fille. Elle doit être très inquiète. Il en reste 15. Bah, on a atteint la moitié du jeu. Et Olimar enfin, presque la moitié. Il en manque juste un et c'est celui qui est en train d'arriver. Olimar a une fille. Oui, il a une fille et un garçon et une femme. Enfin, oui, bah, ça au moins, parce qu'on sait pas s'il en a plus. Bah on sait jamais, il aurait pu être divorcé. Ah oui. Il est vrai.
cas, ce message qui vous apporte, enfin, ce jeu qui vous apporte un beau message, hein, même si vous êtes petit et chauve, vous pouvez vous marier et avoir des enfants. N'hésitez pas à aller voir Nintendo, ils font d'excellents, d'excellents psychologues. N'hésitez surtout pas à les contacter en cas de dépression. Putain, mauvais bouton. Pourquoi t'attaques la fée clochette là? Parce qu'elle lâche du nectar quand tu la tapes, et du coup bah ça fait peut transformer tous tes Pikmin en fleurs. Tu récoltes ses larmes. Yes. Bon. Intelligence artificielle. Elle renforce les émotions et les capacités de l'ordinateur du dolphin. Parfois utile, parfois extrêmement énervante, comme mon chef. Et voilà, là on a fait pile la moitié du jeu. Enfin la moitié du 100%. Voilà là. Incroyable. C'est fou. On en est au jour 8, c'est-à-dire qu'on n'a même pas atteint un tiers du temps qui nous est donné. Et on a déjà fait la moitié. Incroyable. Ouais ouais, attends les gros niveaux difficiles où tu vas perdre tous tes Pikmin et où Fireflash il va être heureux. En vrai j'ai envie de me lancer un défi parce que tu vois pour la dernière zone, il y a un truc que tu peux activer. Non mais spoil pas. Oui non mais pas. Je spoil pas, mais en gros il peut te faire chier et venir à l'endroit de tes Pikmin. Pas. Mais c'est à toi de choisir si tu l'actives ou non. Est-ce que je l'active? Oh ouais de ouf. Tu sais qu'il est extrêmement chiant à tuer et qu'il risque de me faire une extinction ou deux. Et alors? C'est pas grave, il te restera ma jour. Il me manque un Pikmin là. Où est-ce qu'il est? Oh non. Ah c'est un bleu qui est resté là-bas. Non. Eh ben on va devoir aller le chercher. Du coup on va peut-être pas aller chercher le trésor, on va voir si on a le temps mais à mon avis... C'est le héros de tout à l'heure, c'est Denis. Non c'est pas lui justement, lui c'est un flemmard qui voulait pas participer. Mais si c'est Denis. Non non, Denis il est là, il est avec nous, tranquille, pépère. Il s'appelait pas Denis tout à l'heure, je sais plus comment il s'appelait. Je sais pas. Non mais au pire c'est des fougères, on s'en fout. Hein. Je sais pas si t'as regardé le test en carton de Seven sur Pikmin. J'en ai rien à foutre, vous ressemblez tous. C'est raciste ça monsieur. Le pire c'est que c'est vrai. De quoi? Que c'est raciste ou qu'ils se ressemblent tous? Les deux. YOLO. Ils se ressemblent tous mais en même temps je me dis les pauvres développeurs s'ils devaient faire un Pikmin unique à chaque fois de la même couleur. J'avoue que rien que déjà la RAM elle sera en mode mais laisse-moi tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais dès que t'aurais deux Pikmin avec le même skin tu serais là. Non. Monstre. Il est là. Voilà. Il est là. Denis. Et ouais bah on va peut-être pas tenter de faire quoi que ce soit. C'est génial. Ce Pikmin qui a décidé de gâcher la fin de la journée. Ou alors si ça se trouve il savait qu'il allait avoir un génocide de Pikmin. Il a dit non je ne veux pas que ça arrive. Mes frères, je vais trouver une. Je vais faire une distraction pour que ce monstre d'Olimar ne nous tue pas tous. C'est Spartacus en fait. Il en avait marre de l'exploitation, il s'est barré. Il voulait se rebeller. Ouais, non, là je pourrais clairement pas tuer. Peut-être tuer une grenouille, je sais pas en vrai. Parce que le problème c'est que si elle les éjecte et que je peux pas les appeler, ils vont mourir par la nuit. T'auras pas le temps. T'auras pas le temps. Ouais. Ah oui, en plus 10 secondes, ouais, non. On les garde avec ouais, nous. Rentre. On va attendre. Vite. Non mais t'inquiète, j'ai le temps. Tant qu'ils sont avec moi, c'est bon. Pour... Non. Oh, en fait, on va dire que moi je suis une safe place, c'est-à-dire que j'aurai toujours le temps de revenir. Et en gros, c'est les Pikmin qui sont avec moi ou qui sont directement dans la safe place qui est autour de l'oignon, bah ils sont sauvés. Mais si par exemple là tu vois j'en jette un tel un criminel et que je le rappelle pas, bah il meurt. Voilà. Sauf donc, si je le jette dans la safe place. Voilà. Ouais. Incroyable. Ah bah cette fois on a essayé toute la journée. Bon attends il y avait des choses à faire. Hein. Zéro. Boum, j'en jette un comme un fils de sa maman. Hein, parce qu'on est poli. Et paf, ça fait des chocs à pic. Incroyable cette armée de Pikmin. Mon dieu, la parade nuptiale des Pikmin. Et bah il commence à réavoir de la gueule hein, le vaisseau. C'est pareil à ce que c'était au tout début. Il est passé de tas de ferraille à tas de ferraille mais un peu moins rouillé. Non en vrai tu l'aurais vu au début, genre c'était plié de partout et tout. Genre là c'est ça va. Ouais, c'était un origami le truc.
C'est plus ou moins ça, ouais. C'est un origami. Non, en plus, la prochaine fois... Oh, un crapaud. T'as vu, un crapaud. Ne meurs. J'irai chercher un objet qui va en plus bien plus le rendre réel, on va dire. Il ne me reste que 15 pièces à retrouver. Pourrais-je les récupérer en moins de 22 jours? Je suis sûr que certaines parties ne sont pas indispensables. Si mon vaisseau n'est pas complet le jour 30, la seule façon de le savoir sera d'essayer de décoller. Bah alors déjà, oui, là il te le dit au bout d'un moment que... Bah en fait, désolé, mais toutes les pièces sont pas obligées, t'inquiète. Mais plus sérieusement... C'est au cas où t'étais vraiment en PLS. Il dit qu'il a 30 jours d'autonomie. Sauf qu'il faut pas partir le jour 30, parce qu'il faut compter le temps du voyage. Bah ouais. Il le sort d'où son dioxyde de carbone? Enfin, je sais pas quoi. Enfin, j'imagine que vu que c'est une planète assez éloignée, tu fais pas terre planète en un jour. Quoi. Ah, quoique, je sais pas en vrai. Parce que, étant donné qu'apparemment le voyage plus vite que la lumière ça existe dans ce monde, je sais pas. Ouais, mec, le mec est plus rapide que le Faucon Millenium quoi. Donc, t'es déconné. Je me souviens du jour où j'ai emmené mon fils faire un tour dans ce vaisseau. Il y a qu'une seule place, hein, donc je sais pas comment il a fait. Oui. Il peut-être. Ah, il l'a mis dans le coffre. J'ai cru que t'avais dit il l'a mis dans le coffre. Dans le moteur. Dans le moteur. Il était si content. Je lui raconterai mon aventure à mon retour, car je reviendrai. Je le dois. Je dois déjà. Je vois déjà son visage tout émerveillé quand je lui parlerai des Pikmin. Et c'est beau, ouais. Il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu de nouveau Pikmin. Il n'y en a pas eu de perdu. Aucun abandonné. Ah, c'est plutôt pas mal, hein. Oui, oui, dans un sens, oui, c'est mieux comme ça. Normalement, tu vois, les gens normaux, dont moi d'habitude, t'as les Pikmin rouges tout en haut, et les bleus et jaunes, comme ça, t'en as quelques-uns. Je sais pas comment j'ai fait. Parce que les rouges, c'est les basiques. C'est ça, c'est ceux que t'as de base, donc tu les développes plus, en fait. Ouais. Et comme ils sont plus polyvalents, on va dire, vu qu'ils font plus de dégâts, tu les utilises à chaque fois que t'as un combat, bah, t'as plus l'habitude de les reproduire. Mais là, du coup, non, parce que je sais pas, genre, ouais, mais parce que, dit, parce que bleu supérieur à all. Bah oui, c'est oui, le bleu c'est la meilleure couleur. Le bleu ça rime avec cordon bleu. Exactement. En fait actuellement je vais faire l'outro mais je me rappelle plus. Ah voilà. C'est bon. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, à partager pour nous faire connaître et à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis ciao, à la prochaine. Salut.